Castingsoft.com est très heureux de vous accueillir sur son site. J'ai vu que vous étiez sur tous les fronts, théâtre, cinéma, télévision. Pour quelle raison cette multiplicité de facettes? Il n'y a pas de raison précise, c'est le même métier, c'est selon les circonstances, je me diversifie pour ne pas justement me répéter, donc de temps en temps cinéma, de temps en temps télévision, théâtre, en fonction des rencontres et en fonction des textes que je veux mettre en scène. C'est une manière de se régénérer également? Voilà, c'est ça, c'est une manière de se régénérer, d'exprimer les choses autrement et de retrouver donc de nouvelles forces. Alors justement, vous parlez de différences. Quelles sont les différences majeures entre ces trois médiums? D'un point de vue de la réalisation avant tout. Oh bah écoutez, c'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes conditions de travail au cinéma et à la télévision, et ni au théâtre. Donc c'est chaque art a sa spécificité. Donc ce qui est intéressant, c'est de se servir justement des caractéristiques de chaque médium. Il y a le cinéma, c'est plus de temps, plus d'argent, plus de réflexion. Chaque film est un objet unique. La télévision, c'est plus un travail de populaire. C'est un travail où il faut être efficace tout en étant sincère dans ce qu'on fait. Et le théâtre, c'est encore autre chose. C'est un travail avec les comédiens beaucoup plus poussé. Une autre convention de mise en scène. Donc voilà, c'est difficile en quelques mots de donner les différences entre chaque art, mais c'est ça qui est intéressant. Parlons des comédiens justement. Au niveau de la direction des acteurs, vous notez des différences? Oui et non. Diriger un acteur, c'est toujours, c'est une des parties les plus passionnantes de ce métier. C'est différent et ce n'est pas différent. Ce qui compte, c'est d'être en communion avec l'acteur, que ce soit pour le théâtre, le cinéma ou la télévision. C'est cette communion qui permet d'arriver au maximum d'intensité du travail. Le comédien est une corde sensible qu'il faut manipuler avec doigté. C'est aussi une couleur, comme un peintre pour une palette. Donc c'est un travail de dentelle, donc c'est la même chose. Quel que soit le travail, c'est toujours cette relation privilégiée qu'il faut entretenir avec l'acteur qui fait qu'on obtient vraiment quelque chose d'unique. Et au niveau du comédien, au niveau de la personnalité du comédien, lui faut-il des qualités particulières pour la télévision ou pour le cinéma ou pour le théâtre? Alors ça, c'est un problème, effectivement. Il y a des conventions de gestuelle et des conventions de diction qui sont différentes. L'homme de théâtre peut ne pas passer à la télévision ou au cinéma. Il y a aussi ce phénomène qui est un phénomène irréductible, qui est la photogénie. On ne sait pas pourquoi tel comédien va accrocher la lumière, on appelle ça accrocher la lumière, et va réussir à avoir une vraie présence à l'image qu'il n'aura pas sur scène, et à contrario, un comédien qui sur scène est exceptionnel de présence et qui, dès qu'il est filmé, n'accroche pas la lumière. Et ça, ça n'a rien à voir avec le talent, c'est des choses qui font partie de la morphologie du visage. Et donc, voilà, ça c'est. Il y a des comédiens qui doivent se rester au théâtre parce qu'ils sont faits pour ça. Et maintenant, il y en a qui peuvent passer des deux côtés, bien sûr, aussi. Donc ça, c'est un problème qui n'a rien à voir avec le talent. Vous parliez du talent, justement, ce mot sublime. Pour vous, c'est quoi le talent? Ben, le talent, il s'exprime de mille façons différentes. Le talent, c'est d'avoir de la personnalité. Le talent, qu'est-ce que c'est le talent? Le talent, c'est réussir à faire passer les émotions, c'est exister à sa manière. Vous savez, on disait que Gérard Philippe parlait faux et il a réussi à imposer son style et à devenir génial. Donc le talent, c'est une chose totalement subjective. Il y a des gens qui vont dire qu'un tel est un grand comédien et d'autres qui vont dire je le déteste. Le talent, ça n'existe pas en soi. Ce qui compte, c'est de toucher les gens. Si vous touchez les gens, même une seule personne, c'est que vous avez du talent. Est-ce que la beauté seule, esthétique, peut suffire à exprimer un talent? Pas du tout, pas du tout. Un mannequin, un playboy mannequin n'est pas un acteur. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Je vais vous poser encore une question, Monsieur Hellman. Pour les jeunes comédiens de notre site, débutants, certains non d'ailleurs, j'aimerais beaucoup que vous leur donniez un conseil par rapport à leur travail, à leur métier. Le conseil, ce serait de ne jamais rester avec un seul professeur, parce qu'il n'y a pas une seule façon de travailler de la comédie. Il faut donc déjà prendre des cours, selon vous ? Oui, il vaut mieux prendre des cours parce que c'est un métier. On peut avoir un talent naturel, mais il y a des règles, et il y a des manières de se bouger. Vous savez, le corps, et un comédien, son outil de travail, c'est son corps, sa voix. Et donc il faut qu'il travaille son corps, qu'il apprenne à marcher bien, qu'il apprenne à bouger comme il faut, qu'il apprenne à faire du cheval, à faire de l'escrime, à faire tout ce qu'on va lui demander pour faire son métier. Et aussi sa voix, la diction, ça se travaille. Quand il faut parler vite et qu'on a une tirade de 10 lignes à dire, on n'a pas le droit de bafouiller comme je viens de le faire.